Salut. Tu es souvent ici? Des fois, hein? C'était notre place pour jouer à cachette. Je sais. Puis vos premiers French kiss, se sont toutes données ici. Bon, puis votre premier joint ici. Tu fais de l'algèbre? Ça fait 3 jours que je m'arrache les cheveux. Ben, si tu veux, je peux te donner un coup de main. Oh, oui! Oh, salut. C'est correct. Je te présente mon nom, Luc. Oui, on s'est vu à taverne. Diego, c'est ça? Ouais, salut. Regardez ce que j'ai trouvé pour la petite de Solange. Ça, c'est cute. C'est cute. C'est devenu une vraie drogue. Chaque fois que je passe devant une boutique de vêtements pour enfants, il faut que j'achète un morceau. Attention, Bert, c'est dangereux, ça. Ouais, que t'as pas, y a pas de danger parce que la tuyauterie a été coupée. Ouais. Elle va l'appeler Pénélope. C'est beau, hein? Pénélope. La fleur. Ah, salut, le frère. Lui qui est pas arrivé? Ça en venait à pied? Il doit s'être perdu dans le paysage. C'est pas le Mexique, ici, là, mais c'est quand même beau chez nous. Tu vas le vin, frère? Oui, oui. C'est le fils de Fatima, la bonne de grand-maman. Elena m'a parlé de toi. Il revient du Portugal. Ah oui? T'es allé là longtemps? 3 mois. J'ai vécu pendant une couple d'années à Lisbonne. Ouais. Mais la ville qui m'a le plus impressionné, c'est Fatima. Ah, c'est le nom d'une ville? Ah oui. C'est un lieu de pèlerinage important. La Sainte Vierge est apparue à 3 jeunes bergers sur la Cova de Ira. Ah, mais ça doit être pour ça que Fatima tripe autant sa Sainte Vierge. Les pèlerins marchent sur le trottoir à genoux. Puis en arrière de la basilique, ils font brûler des corps en cire. Tu parles portugais? Bon, je le comprends, là, moi, pour parler, je bloque un peu. Non, mais tu parles des fois avec ta mère. Quand on se paye, moi. Bon, ben, il faudrait quand même pas être en retard pour le souper, hein? Je vais aller te rejoindre après, OK? C'est beau. Luc, tu parles pas de ça à mes parents, OK? Il pense que j'étudie avec une amie. Merci. C'est quoi l'affaire, là? Hey, moi, j'en veux plus de troubles. Ah, tu verras ça demain. C'est ça. Ouais, au petit bar. OK, salut, Marie-Ève. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mêler Luc Lavoie aux affaires de la fromagerie. Mais oui, mais il y a eu une idée géniale. Je te jure, il arrive providentiellement, celui-là. Mais garde l'idée, mais laisse le gars en dehors de ça. Ben, il repart demain. T'es pas tanné des fois d'avoir peur. On dirait que le train est parti, puis des fois, tu t'as pas osé embarquer. Ben, y a pas juste la destination qui compte, Maxime. Moi, je suis là pour m'assurer que les passagers arrivent à bon port. Un train tout seul, vide, ça donne pas grand-chose. Bon, ben, faut que j'y aille, moi. Bonne main. Salut. Benoît est venu me dire de me fermer à gueule. Tu l'as vu? Puis après, ils ont trouvé ta grand-mère dans le cadre. Je capotais pas à peu près, moi. En tout cas, c'est cool, t'as rien dit pour le pote. Quand j'ai vu Bertrand, j'étais sûr qu'elle allait me sauter dessus. Tu vois que tu pouvais me faire confiance? C'était mon obsession tout le long du voyage. J'étais sûr que je pourrais plus jamais remettre les pieds à Providence. Mais te serais-tu vu rester dans un pays où on fait brûler des corps en cire? Ça t'est vraiment jamais passé par la tête que je pouvais t'impliquer là-dedans, là? Tu t'as l'air un peu bum, mais t'es pas un violent. Ça se sent, ça. Le stock de Benoît que t'as fumé avec Annabelle, là. C'était-tu celui qu'on m'a volé? Mais là, il n'y avait pas ton nom d'écrit dessus.
Puis de toute façon, je vais venir demain, Elena. Ta tante est au courant? Ouais, mais juste elle. Puis inquiète-toi pas, elle est super cool. Puis de toute façon, même si c'était ton pote, ça voudrait juste dire que c'est Benoît qui l'a volé. On n'aurait pas plus su qui a agressé ma grand-mère. Peut-être le gars que Benoît m'a refilé pour acheter le pot, là. Sid. T'es venu me menacer, hein. T'as eu des menaces? Mais là, faut le dire. Ah, non, oublie ça, là. Puis va souper, là. Ils vont te chercher. Je vais voir ce que je peux faire, OK? Hey, tu vas rien, OK? Absolument rien. C'est clair, ça. Mon oncle, il a fait mon devoir d'algèbre. Salut.